Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, un de mes canons n'est pas dans le bon sens. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Oula, j'ai fait du caca. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, hop, comme vous pouvez le voir, une version légèrement différente du Sublime. Mais tu veux plus d'un seul coup? Merde, t'as bien voulu tout à l'heure. Il y a deux secondes, je vous jure qu'il voulait bien. Ah oui, mais là il est pas bon, là il est pas bien placé, là Marcus. Tu fais du caca, Marcus, là. Voilà, là il est bien placé. Voilà. Bon, j'ai rien dit. Hop, voilà. Du Sublime Rhino. La version armorette du Rhino, donc avec un peu plus d'armure, comme vous pouvez le voir, un peu plus d'armement, comme vous pouvez le voir aussi. On va faire le test. Est-ce qu'il va être plus efficace? Est-ce qu'il va être plus efficace? Je pense que oui. Et vous allez voir, ça va être génial. On va bien voir. Je ne l'ai pas test. Je viens tout juste de le finir, de fignoler en fait, parce que c'est vraiment du fignolage. Hein. Vous allez voir qu'en plus, comme j'ai plus les couleurs noires, j'ai rajouté du gris. Et je me suis dit, bon, c'est cool, ça fait armure. Mais en fait, non. Non, honnêtement, au niveau des couleurs, il est devenu encore plus laid qu'avant. Mais bon. Ça, malheureusement, j'y peux rien. Hein, c'est... Je vous rappelle que ce jeu est un buy to play, hein. Un buy to win, pardon. Oui, je parle de couleur et de buy to win dans la même phrase, ça ne fait aucun sens. Non, mais c'est vrai que ce jeu est un buy to win, mais en dehors de ça, en fait, la moitié des features du jeu sont pas débloquées alors qu'on est dans une alpha, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, le voilà, je sais même pas s'il vole correctement, quoi, le machin, parce qu'avec tous les cubes que j'ai rajoutés... Bon, c'est un peu de la promo pour Robocraft, hein, donc n'hésitez pas encore une fois à les forcer à me répondre. Il va s'écraser comme une... Non, ça va. Oh, ça va. Bon, je n'ai plus de disque de commande invisibilité, du coup je peux pas faire mon petit trou du cul, ce qui est bien dommage. Bien. Bien joué. Ah, j'étais un petit peu lent. D'accord, il est un petit peu lent à tourner en fait. Un petit décalage. Hop. Crac. Merci pour le heal. Hop. Oh, joli. Hop. Non, tu es mort. Vas-y. Hop, pas grave. Et vas-y, reviens. Hop, boum. Ça fait mal. Ah, ça va être trop juste. Je vais donner. Ah, j'ai donné le kill. Non. Je pensais que ça passerait honnêtement avec les canons. Je pensais que ça passerait. Mais non. On va essayer quand même d'éviter de les... Hop, parfait. Oula. Hop, voilà, merci de revenir plus tard. Hop. Ce focus d'équipe. Ben voilà en version armorette, vous voyez qu'il est bien plus badass. Allez, boum, un petit coup. Voilà. Bla, bon, tant pis, j'ai récupéré le kill, m'en fous. J'ai récupéré le kill, m'en fous. C'est con, si le heal avait pris un peu plus de devant, je pense que j'aurais pu survivre. Hop. Boum. Ah mon dieu, je me fais tirer dessus. Viens, je t'attends. T'as pas d'huile? Non, dommage. J'ai récupéré mes 10% restants parce que ça se joue vraiment à rien finalement. Hein.
J'ai rajouté des petits freins aussi pour qu'il puisse peut-être s'arrêter un peu mieux. Vous allez voir que c'est... c'est encore insuffisant. Hein. Voilà. On allait pas vite. Hein. Et on allait pas vite. Hop. Hop. Allez, un petit coup. Encore un petit coup. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Je sais jamais faire le bruit. Alors, on est à 4 kills. Mais j'en donne autant, hein, donc j'en donne 3. Bon, toujours ça de prix. Mais bon, sur le principe, ça passe. Ça passe, ça passe. Ok. Faudrait qu'on garde la main. Hop. Ah merde, j'ai raté mes tirs comme un abruti. Hop, je l'ai raté, je l'ai eu, je l'ai raté, je l'ai raté, je l'ai eu. Il a la régène, j'arrive pas à reculer. Allez. Oh là là, ça touche alors qu'il y avait le bouclier demi. Vas-y, viens, approche, t'attends. Ah. Ah. Ah, je suis trop court. Je l'ai donné celui-là, je l'ai offert. Je m'en veux. Et l'autre qui continue à accumuler les points, bien joué. Bah, je suis troisième. Ah là là. Faut que je joue peut-être un peu plus les touches. Hop, voilà. Hop. Dis au revoir à ton armement. J'ai pu dire au revoir au mien de toute façon. Oh. Ça touche. Hop. J'y crois pas. Non. Mais tuez-le. Mais merde. Ah. Pour venir te sauver la vie, y'en a pas un. Hop, vas-y, viens, je t'attends. Hop. Allez. Hop. Et un de plus. Hop. Pour l'instant, je suis main. Pour l'instant, je suis main, il est bien ce Armored. Ah, mais non. Hop. Bien joué, je suis plus main, je crois. Si, je suis encore main, génial. On a donc une Protonium là-dessus, bah c'est cool. Wouhou. Bon. Bon. Avec un petit peu d'armure, ça suffit. Hein. Bon, attention. Est-ce qu'on va avoir une légendaire? Non, forcément non. T'es sérieux? Que du vert et une épique encore? D'accord, bon. Eh ben écoutez, bah, on a plus qu'à le tester maintenant en Battle Arena et je pense qu'il sera efficace. Je suis désolé Lucas, j'ai pas vu et de toute façon j'ai malheureusement pas le temps pour faire des parties comme ça. Désolé. Par contre, je rappelle qu'il faudrait éviter juste de faire ça, chers amis, parce qu'en fait, si vous le faites, d'autres vont se mettre à le faire, etc., etc., et après, ça va être injouable. C'est si jamais j'ai le temps pour faire une partie, malheureusement, j'ai pas le temps, en fait, le truc, c'est que c'est pour vous expliquer, chers amis. Moi, je fais à peu près 6 vidéos par jour en ce moment, pour essayer d'avoir mon week-end, et surtout d'avoir aussi le temps de faire le reste des choses que je suis censé faire dans une vie sociale classique, c'est-à-dire faire les courses, par exemple, aller chez le coiffeur, vous voyez, pour aller chez le coiffeur, là, j'ai rendez-vous normalement cette semaine, enfin, j'ai essayé de trouver une place pour cette semaine. Mais j'ai dû commencer à y réfléchir pas la semaine dernière, mais en début de semaine dernière, on va dire. Hop, tout pété. Donc, il faut à peu près 15 jours pour que je puisse prendre en fait l'avance nécessaire pour avoir un week-end et un temps, peut-être un après-midi pour jouer avec un pote ou un truc comme ça, quoi. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai pas vraiment le temps. Là, vous voyez, j'ai commencé les vidéos, il était 15h. Et là, il est un peu plus de 17h, normalement, il est 7h30, un truc comme ça. Et j'ai encore deux South Park à tourner derrière. Et après, il y a le montage toute la nuit. Hein. Hop.
Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de passer comme ça? Hop. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Ça passe, ça passe pas. L'objectif c'est de pas... L'objectif c'est de pas tomber en arrière, comme là ça a failli. Mince, mince. Alors là ça pue. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors là s'ils m'ont pas vu avec ça, ils m'ont pas vu. Hop, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok, en douceur. En douceur. Hop. Ah mais non, mais... Remets-toi bien. Tu vas bien tomber, oui. Merci. Hop. On a du monde derrière, on va peut-être tenter une attaque alors. Du monde derrière, on peut peut-être tenter une attaque. Hop. Aïe. Hop. Vas-y, viens, j'attends. Ah la vache, il avait ce qu'il faut. Il avait ce qu'il faut pour contrer. Boum. Ils l'ont eu. GG à eux. On a donc toute la... Comment la... Le, tout le champ libre en fait pour attaquer simplement le la tour ennemie. Hop. Peut-être comme ça ce sera mieux. Oh, le tir qui ne fait zéro dégâts. Ça je trouve ça injuste. Je trouve ça honnêtement très injuste. Hop. C'est de sauver les copains au passage. Il est devenu rouge, espace d'un instant, notre copain là. Incompréhensible. Hop. Malheureusement, je me fais défoncer par le haut. Hop. Merde, il va me tirer dessus celui de gauche. Ah la vache. J'ai pas eu le temps de régène. Dommage. Dommage, dommage. Ok. Bon. Tant pis. Niveau score, on devrait pas être trop mal, effectivement. Ouais. En milieu de tableau. Ce qui n'est pas magique. En même temps, le copain se concentre sur le heal. Moi, je me suis concentré sur la fin de la partie et j'ai peut-être été stupide. Ok, bon. On va y réfléchir. Et c'est vrai que sur une map très ouverte comme ça, celui-ci avec le shotgun n'est pas forcément le plus adapté. Ok, c'est pas celle-ci. Hop, vas-y, descends. Hop, celui-là il est à moi, merci. Hop. On essaie d'aller chercher les mecs qui sont en train d'attaquer leur tour à eux. Oh. Allez. Mais meurs. Mais meurs, voilà. Merci. Hop. Je l'ai eu, je m'en fous. Je m'en fous, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Faites tâcher. Techmaster et Biocat, je sais pas qui c'est, mais ça bourre. Hein. Ça bourre les kills. Oh la vache. C'est vrai qu'il est joli son truc. Il doit faire tellement mal. Ok. J'arrive. Ok.
Ok. Hop. Oula. Oh la vache. Ça fait masse dégâts ces trucs. Parce que c'est qu'avec ça qu'il m'a tué ou presque en fait. Quand ils sont nombreux ça fait masse dégâts. Ok, bon à savoir. J'aimerais bien retrouver des grandes roues. J'aimerais bien les grandes roues moi chers amis, mais bon, c'est compliqué à trouver apparemment. J'aimerais bien grande 4 méga wheels là, mais je peux pas. J'arrive pas. Je n'arrive pas. Bon, c'est parti. De toute façon, on a le dessus sur sur l'équipe adverse, donc pour l'instant, ça c'est bon. Ok. Hop. Ah vache, il y a un sniper. Oh mais merde. C'est moi shoté, tiré sur mes ennemis. Il me gonfle. T'es sérieux toi? Mais... Ah. Oh l'anti-air quoi. Et le pire c'est qu'il est joli. Par contre il a des mouvements de véhicule à roue et pas de véhicule à chenille. C'est bizarre. Peut-être à cause du gros poids qu'il a sur lui j'imagine. GG. Voilà, je vais en perdre des points. Voilà. Ah bah troisième quand même. C'est la gold donc j'imagine. Bah non, pas sur Ender. Qui est con lui. Hop, GG. GG GG. Bon. Bah ça se passe plutôt bien alors. Pour ce nouveau petit robot. Une diamond, quand même. Eh ben, un bout d'eagle. Ok, bon bah il est efficace ce robot. Eh ben écoutez chers amis du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, parfois le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens et je vous tiens au courant pour tout ce qui est de Free Jam. Salut.